Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Support. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Ces temps-ci, il y a une information qui est en train de tourner un peu sur Nyan Support. Et c'est l'information qui nous rappelle que aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus ceux qui prétendent être. Ils sont plutôt alliés ou encore associés aux démons. Et pas n'importe quel démon. Il s'agit tout simplement des démons des eaux, les Mamiwata, ce qu'on appelle communément les sirènes. Waouh! Il n'y a pas longtemps, un témoignage sur Nyan Support que nous avons étudié en live nous a révélé clairement des choses sur de telles pratiques. Et là, ça devient alarmant. On nous a même dit plus loin que 80% des hommes de Dieu aujourd'hui ont des forces surnaturelles, des forces qui viennent tout simplement du monde de Satan. Du monde, du diable lui-même. Et ici, quand on nous parle des hommes de Dieu associés à la puissance occulte ou à la puissance des sirènes, là, ça devient grave. Parce que les sirènes, tout le monde sait que ce sont des démons. Mais les démons comme les sirènes, sont des démons vraiment puissantes, des démons plus puissantes que tous les autres démons ou la plupart des démons. Ça veut dire que ces sirènes là peuvent faire vraiment du mal, elles peuvent tuer, elles peuvent faire des choses graves, elles tuent de toute la façon, elles tuent. Et quand on nous dit que des hommes de Dieu sont en relation avec de telles sirènes, ça veut dire que ce qui va se passer est que beaucoup d'hommes, ou encore beaucoup de leurs fidèles, seront emprisonnés dans le royaume de Satan. Quoi? Oui, c'est là même le danger. Comment peut-on savoir qu'un homme de Dieu a un pouvoir occulte? C'est un peu difficile. C'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là? La parole de Dieu nous dit que nous les reconnaîtrons au travers de leurs œuvres. Leurs œuvres, mais quelles sont les œuvres? Que sont leurs œuvres? Ah! Est-ce que ce sont des belles voitures qu'ils achètent? Ou de belles maisons seulement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, nous avons tous besoin de lire la parole de Dieu, de lire la Bible et de la comprendre. Vous cherchez à savoir qui sont ceux qui sont bons ou mauvais. Parce que quand on parle du homme de Dieu, tout le monde consulte les hommes de Dieu. Qui ne va pas chercher un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est d'abord une personne par qui Dieu passe pour parler ou encore pour donner des solutions aux problèmes connus, aux problèmes de ses enfants. Là, Dieu lui-même, comme au temps de Moïse, il parle carrément au travers de ses enfants, ou encore il passe au travers de telle personne pour pouvoir nous dire certaines choses que nous devons savoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rôle d'un vrai homme de Dieu sera de sensibiliser les gens à abandonner le péché et retrouver la bonne voie afin d'être sauvés. En un mot, préparer le chemin du paradis. Yeah! Dans le dernier temps, dans la période où nous sommes en ce moment, c'est ce que tous les hommes de Dieu doivent faire, en tout cas les vrais. Ça veut dire qu'ici, nous sommes en train de donner quand même quelques signes qui peuvent nous aider à découvrir qui sont les faux. En fait, les faux hommes de Dieu, quand ils vont dans le royaume du diable, ce qui se passe là-bas, c'est que
il signe un pacte. Et ce pacte-là, il s'autorise à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses. C'est ici que nous allons tout comprendre. Soyez prêts. La parole de Dieu nous dit encore que nous nous reconnaîtrons au travail de leurs œuvres. Et leurs œuvres sont reliées à l'objet de leur pacte, ou quoi, ce qui fait l'objet de leur pacte avec le diable, ou encore les sirènes, les puissantes sirènes des eaux. Quand, selon les informations que nous avons reçues, on nous a dit que quand un homme de Dieu rentre en contact avec une sirène pour avoir des pouvoirs, cette sirène lui donne des objets mystiques qu'on appelle généralement les huiles d'onction. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et vous allez voir que cet homme de Dieu là aura également des mouchoirs. Il y a plein d'autres objets que beaucoup de personnes peuvent acheter. Même ce que vous appelez aussi au béni. Toutes ces histoires là. Ça veut dire que les sirènes ou encore les démons, ils imitent carrément ce que Dieu fait. Ça veut dire qu'un homme de Dieu aussi doit prêcher. Donc ils vont imiter un peu les vrais chrétiens ou les vrais hommes de Dieu. Mais en dessous, ça sera la sorcellerie qui sera là. Oui. Parce qu'il s'est dit, ils vont même faire des miracles. Des miracles. Des prodiges. Mais la force et la puissance viendra carrément du monde de Satan ou encore d'une sirène. Et ces gens auront tendance à prêcher sur ce que vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Oui. De quoi? Qu'est-ce qu'on entend beaucoup à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend beaucoup dans les temples? Donne-tu recevoir. Il y a quoi encore? Si tu donnes peu, tu auras peu. On ne rentre pas dans la maison de Dieu les mains vides. En fait, tout ce qui peut entrer dans la ligne de compte de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ça veut dire que, à force de prêcher sur ce genre de choses-là, les hommes de Dieu carrément oublient ou même refusent de parler du péché des humains. Le péché des humains. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le diable et les sirènes les empêchent de prêcher sur ce genre de choses. Parce que ce sont des choses qui vont tout simplement sauver la vie des humains. Sauver l'âme des gens. Et le diable n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi, quand une sirène va tout simplement initier un nouveau pasteur, elle va tout simplement lui dire qu'il ne doit pas prêcher sur l'évangile de la repentance, du salut, le retour de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à travers de ces, au travers de ces choses, nous pouvons tout de suite découvrir ce qui se passe réellement dans cette histoire, dans ce game. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Mais bien sûr que oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus caché. Et que si nous suivons tous les instructions divines, c'est sûr que nous ne tomberons pas dans les problèmes, dans les soucis. Parce que Dieu lui-même nous aurait tout révélé. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous aimez? Le mariage, le voyage, la concorde, l'affrontement, le succès. Vous allez voir que quand une femme va aller voir un forum de Dieu, vous lui demandez, par exemple, un bon mari. S'il est libre, s'il n'a pas de femme dans sa vie, vous êtes foutu. Parce qu'il cherchera à faire de vous sa femme ou l'une de ses femmes.
s'il est marié, il va dire, je suis au service de Dieu. Ma femme va comprendre. Je vais avoir les rapports sexuels, ça reste entre nous. L'onction de Dieu va traverser ton corps, tu vas avoir un bon mari. Ça veut dire que, en ce moment-là, ce qui se passe, c'est le désordre. Et ce qui est étrange, c'est que la plupart des femmes voient ça facilement. Mais, comme elles aussi, elles sont à la quête de succès, de bon mari, elles sont prêtes à tout, même coucher avec l'homme de Dieu pour avoir l'onction de mari. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ou encore nous demande de faire? En fait, les hommes, ou encore les humains, ont carrément refusé la parole de Dieu pour s'attacher aux choses du monde des ténèbres. Ils ne veulent même plus lire la parole de Dieu pour découvrir la vérité sur ces choses. Et c'est le diable qui fait ça. C'est Satan lui-même qui est en train de pratiquer cette histoire. Mais vous ne le savez pas. Le diable pousse les humains à détester la parole de Dieu afin de les maintenir dans l'ignorance, afin de les conduire à la mort. C'est l'ignorance qui tue aujourd'hui. Si tu savais que nous sommes dans les derniers temps, tu ferais vraiment attention aux hommes de Dieu que tu vois. Tu vois la voix, ils sont des jeunes pasteurs. Jeunes pasteurs, jeunes hommes de Dieu. Et déjà, on sent que leur vie dépasse leur niveau. Dieu bénit selon son temps. C'est par graduation, mais pas un coup comme ça. Mais tu vas le voir tout d'un coup. Il était simple. Et il a commencé à voir toutes les belles choses. Et les gens m'ont dit, oh, ce sont les dons, ce sont les offrandes, ce sont les dîmes. Mais en fait, pas ça seulement. Pas ça seulement. Dans le monde du diable, il y a des démons qui sont chargés de veiller à ce que ces gens-là ne manquent de rien. C'est-à-dire, à chaque fois, leur compte est plein, leur compte est rempli. Leur compte est plus rempli que rempli. Oui. Ces démons-là veillent à ce qu'ils ne manquent de rien. Même leurs octrois, beaucoup d'argent pour la construction des grands temples. Et vous allez voir tous ces temples, vous allez dire, ya, cette église à l'homme de Dieu, il est béni. Cette église à l'homme de Dieu, il est béni. Il est comme ça. Parce que tu as vu de belles voitures. Parce que tu as vu de belles maisons. Pour toi, c'est la bénédiction qu'elle a. Un vrai homme de Dieu, là, ne se mesure pas au travers des belles voitures qu'il a. Un vrai homme de Dieu ne se mesure pas au travers de je sais pas quoi, des miracles. On s'en fout de ça. Un vrai homme de Dieu se mesure au travers de la crainte de Dieu, sa crainte de Dieu, au même titre qu'un simple fidèle. Au même titre qu'un simple fidèle. Oui, une personne simple. Et quand on nous dit que des hommes de Dieu sont attachés aujourd'hui au pouvoir occulte, ça veut dire qu'il y a 80% de personnes, d'hommes de Dieu, qui sont dans ces choses-là. Et ça devient maintenant assez compliqué. Ça devient la mode. Ça devient la joie. Tu ne sais même pas où partir, même pour demander de l'aide. Parce que l'homme de Dieu sur lequel tu vas tomber, c'est aussi un autre sorcier. Oui. Oui. C'est à ce moment-là que nous comprenons que l'église de Dieu, ce ne sont pas les murs. Ce n'est plus un temple qu'on construit. L'église de Dieu, ce sont toutes les personnes dans leur chambre, dans leur maison, qui cherchent véritablement Dieu au travers de quoi? Sa parole. Tu es dans la tombe, tu cherches Dieu, n'est-ce pas? Tu cherches des solutions à tes soucis. Ah! Tu t'assois seul dans ta chambre, tu regardes ta vie et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. C'est par là on commence. À l'église, ils vont te dire, donne et tu recevras. Donne, tout le monde sait que quand on donne, on reçoit. Mais quand tu as le péché en toi, c'est difficile. Quand tu as le péché en toi, c'est compliqué.
ça empêche même Dieu même de te regarder. Parce que j'ai une chose du diable sur toi. Et le diable lui-même va faire en sorte que tu ne puisses même pas entrer dans ta promesse, dans ta grâce. Donc tu dois te séparer de tout ce qui te lie avec ces choses. Tu vas voir le gars, ou même la fille, elle est avec le mari des gens. Toi, c'est le mari des gens qui t'intéresse. Toi, c'est la femme des gens qui t'intéresse uniquement que à la femme des gens. C'est la question qu'on se pose parfois. Ah, mais pourquoi tu es uniquement intéressé par la femme des gens? Pourquoi elle est uniquement intéressée par le mari des gens? Oh, elle va à l'église. C'est parce qu'elle va à l'église. Oui, elle va à l'église. Mais son homme de Dieu qui est un faux. Lui prêche des choses qu'elle aimerait entendre. Son homme de Dieu lui prêche sur comment faire encore pour avoir beaucoup de maris et beaucoup de maris des gens. Beaucoup de femmes des gens. Et ça devient un combat. Ils vont te dire qu'il faut lutter ta place pour pouvoir avoir ton mari. Or, c'est la femme de quelqu'un. Les deux sont mariés, les mariés également. Et toi, tu viens lutter une place avec la femme de quelqu'un. Ou avec l'homme de quelqu'un plutôt. C'est la même chose de toute la façon, avec la femme de quelqu'un. Vous voyez? Ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est l'esprit de destruction qui va maintenant posséder les fidèles de cet homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu, de toute la façon, il les a imposé les mains. Et quand il les a imposé les mains, il a mis en eux l'esprit des sirènes. Ou en elle, l'esprit des sirènes. Et cet esprit-là leur demande de coucher avec les hommes en désordre ou de détruire les relations, les foyers. Du coup, tu as reçu un démon venant tout simplement de ceux du monde des ténèbres. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Est-ce que vous voyez ce que ça dit? Et quand ils vont vous imposer les mains, ce qui est mauvais, qui est méchant, c'est que tout ce qui est bon en vous, ils vont retirer tout. Votre grâce, votre étoile. C'est à ce moment-là que vous allez dire, mais ah, comment je vais faire pour recevoir la chose qui m'a été prise? Tu dois prier beaucoup. Si ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui doivent t'imposer les mains. C'est pas tout, il y a plein de sorciers aujourd'hui. Donc toi, à ce moment-là, tu dois commencer à prier Tu dois commencer à prier, à faire de fortes prières. Pour que Dieu puisse tout simplement te délivrer de la main de ces sorciers, de la main de ces personnes. Ah! Mon homme de Dieu, t'es sorcier. Aujourd'hui, là, c'est toi-même qui. On dit que c'est toi-même qui es un sorcier. Parce que tu n'as pas pu voir que ce dernier a un problème. Que ce dernier n'est pas celui qui prétend être. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Bien sûr que oui. Je suis sûr qu'on se comprend. Des hommes de Dieu en relation avec des sirènes. Des hommes de Dieu qui collaborent, coopèrent avec des démons du monde des eaux pour obtenir les pouvoirs et les richesses. Et de telles personnes sont là parmi nous à corrompre la société, à pousser les humains vers le péché encore plus. C'est comme quelqu'un va dire. Le diable est désormais assis à l'église. Et là, c'est là que nous devons faire attention. Parce que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ n'est plus loin. Ce n'est plus loin. C'est tout sauf loin. Et là encore, ça c'est tout où? Cette information-là, c'est tout où? Dans la parole de Dieu, bien évidemment. La parole de Dieu que tu rejettes là. La parole de Dieu que tu négliges. Tu vas la rechercher un jour. De toute façon, nous serons jugés en fonction de ça. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de filles qui s'habillent en pantalon. Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas s'habiller en pantalon. Mais quand elles entendent leur homme de Dieu, leur dit de s'habiller comme elles veulent, parce que Dieu dit d'embellir le corps, elles savent tout en cela, la vérité, parce qu'elles-mêmes, là, elles n'ont pas envie de se débarrasser de son pantalon, de son make-up. Elle est accro au make-up. Tant qu'elle ne met pas de make-up sur elle, elle ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas sortir de la chambre. Est-ce que vous comprenez? Franchement, ça devient grave. Et ça, toutes ces choses sont maintenant devenues autorisées. On marie même des personnes
qui sont de même sexe à l'église. Vous pensez que c'est un hasard? Nous tous, on sait que ce n'est pas une bonne chose à faire. Même si même quand on marie de même sexe, hein, même sexe, ce n'est pas une chose bonne à faire. Mais il faut le travail du diable. Il faut le travail de Satan pour pervertir la société. Et le diable est récompense pour ça. Ça veut dire que nous, nous devons faire attention. Nous qui sommes un peu sérieux, lui n'est pas fait, mais nous qui sommes un peu sérieux, nous devons faire attention aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous faisons cette vidéo, pour vous dire que dans la prochaine vidéo, il se peut qu'il y ait un live qui va nous permettre de découvrir des choses, franchement, qui vont nous étonner. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo sur notre bonne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour la tuer parce que nous sommes chauds. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. A tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Faites attention. Jésus revient. Il est même à la porte. Regardez là-bas. Il est là-bas. Jésus revient.